This is Sparta! Bonjour, on se retrouve ici pour une vidéo avec le plus grand fan de Minecraft à côté de moi, Terre des Bestes. Vous voyez, c'est mon copain jumeau. Coucou, je suis là. Bon, je suis pas tant fan de Minecraft que ça, mais j'ai plus d'expérience dans le jeu que toi, je pense, vu que toi tu débutes. Tu as combien d'heures sur Minecraft actuellement? Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures? Je sais pas. Et là, il y a aussi un autre pote à moi, il ressemble un petit peu à Slender. C'est Sebdu. Voilà, Sebdu. On peut pas dire les chiffres parce que c'est un code secret, sinon la bombe atomique elle explose. 43-210, boum! Voilà. C'est malin, et maintenant il y a plein de gens qui sont morts. Par ta faute. M'en fous, seuls les pandas comptent. Ben, il y a plein de pandas qui sont morts. Au passage, bonjour aux bandes abonnées, dont je fais partie d'ailleurs. Donc bonjour à moi-même. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, ben, aujourd'hui, une grande surprise. On va faire une grande construction. Enfin, grande. Grosse construction qui va prendre du temps. Donc, s'il y a des ellipses, c'est normal, hein. Bon, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as tout ton matériel avec toi? Oui, j'ai tout mon matériel. Mais comment range cette épée, tu vas te faire mal. C'est important. Ici, Sparta, tiens! Ça marche même pas, c'est même pas gay. Il y a le friendly fire. Bon alors, on a besoin donc, on va montrer quand même aux gens... On a besoin de Sandstone Lab, du Sandstone Stairs, du Chiselet de Sandstone, du Smooth Whisky. Voilà, en fait ils sont tous là. Du Smooth Sandstone et du Sandstone Normal. Voilà. Bon, pour ceux qui utilisent le jeu en français, c'est du grès. Voilà. Voilà, il y a du grès poli, du grès sculpté, du grès normal et des escaliers en grès. Par endroit, c'est du grès, mais on peut voir la marque. Et comme 50 nuances de grès, tu vois. C'était nul. Attention, je suis armé. M'en fous, il y a Friendly Fire, donc tu peux pas. Oui, mais qui a dit qu'on était friendly? Bah, même tu peux pas me taper, même si t'étais mon pire ennemi, tu peux pas me taper. Oh, quelle tristesse. Bon, alors, on commence parce que. Ah bah, moi j'attends. Bon, alors. Est-ce que tu veux bien prendre la chiselette sandstone? Et tu c'est comptes... fait, attends, chisel... Voilà, pas le coin de la route. Ouais, chiselette sandstone. Bon, tu vas... Mais non, j'ai pas dit de la poser. Et dégage-moi ça. Tu comptes 1, 2, 3 blocs. Ouais. D'accord? Au troisième bloc, tu dois poser un, ça fait un repère, puis tu fais 1, 2 et 3. D'accord? Donc ça, c'est le bloc de départ. Je veux bien le mettre au chiselet sandstone. Ouais, bon, ça va, je le fais à ta place parce que sinon demain on est encore là. Alors, on va le monter de 3. Arrête de casser tout ce que je fais, sinon demain on n'est pas encore là. Hein. Alors, de là, on va prendre les escaliers en grès. Comme ceci. Ouais. Hop. Et normalement là, comme ça et comme ça. Voilà. Bon, ça marche pas, c'est pas comme ça que vous voyez. Et hop, voilà. Et voilà. Allez, on y arrive. Tu fais quoi, un temps plastique? Oh, mais qu'est-ce que... Ah, mais on ne peut pas construire sur les coins dans ce foutu map à la con. Voilà, je viens de piger. Il fallait me le dire juste avant. Donc, en fait, il faut se décaler. Bon, on va faire comme ça sera encore plus simple. Bref, on place tous des blocs. Et alors, on fait la même chose ici à ce coin. Voilà. Maintenant, t'es dans le passage. Merci, t'es dans le passage. Ben, elle passe des blocs comme correctement, voyons. Oh là 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 là. Qui c'est qui m'a inventé de travailler avec un panda, franchement? Bon, bref, on en a déjà assez. C'est bon, pour l'instant, ça suffit. Alors, derrière tout ça, tu prends les sandstones normaux, parce que de toute façon, on les verra pas. Le sandstone normal? Ouais, voilà, le sandstone normal. Et tu fais tout le tour comme ça, voilà. Ensuite de là, on va prendre encore les escaliers, et on est reparti avec un décalage de 1. Là, jusque-là, c'est pas compliqué. Hein. Non. D'ailleurs, je te conseille de faire une ellipse, comme on aura tout fait, comme ça, si les... ça prendra moins de temps sur la vidéo.
Ah, Oui, d'accord. Non, comme ça. Voilà. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Oui, d'accord, comme ça, c'est bon. Purée, oh, les lags, comme ça va Seb, vite. qu'est-ce que tu fous? Voilà, bon. Est-ce que tu as fait une ellipse pour qu'on puisse faire le tout tranquillement? Ah, parce qu'on Écoute. va faire tout le tour. Ah, on va faire un grand tour, oui. Donc, il vaut mieux faire une ellipse et on reprendra la vidéo lorsqu'on aura fini, un petit peu avancé, pour montrer un petit peu aux gens comment ça fonctionne. Ok, D'accord. bon, on va faire un grand tour et on revient, mon petit panda. Voilà, bah Allez. oui, j'ai déjà dit 4 fois. Ninja Ellipse, et voilà, redé l'ellipse, regardez comme on a déjà bien on a déjà avancé, c'est que la première partie, ça va être encore plus Ah, il y compliqué. a 1% de fait. Voilà. Voilà, 1%. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour la suite de la Ah, construction. on peut leur expliquer ce qu'on a fait quand même. Parce que bon, voilà, on a mis les escaliers comme ça en coin, qui montent, puis on a mis encore des escaliers et des colonnes qui commencent à monter. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 3 de colonnes, mais comme j'ai dit, il y a 1% de fait. Voilà, ben, si tu veux, on peut faire l'ellipse et on continue. Ok, donc à tout de suite. Et nous revoilà. Donc regardez là ce qu'on a déjà fait, c'est super beau, ça commence à prendre forme. Ouais. Quelle forme? Ah, ça, tout est la question. Tout est dans la question. Bon, Ouais. eh bien, on va continuer quand même. Hein. Donc, moi, je vais déjà reprendre ici. Mais, Ouais. Donc on vous laisse ici, encore une petite ellipse, désolé, mais voilà. Ouais, à plus. Re les petits pandas, on a fini les vitraux. Comme vous voyez, c'est assez classe, on a fait une petite toiture là, voilà. Classe, avec les petits vitraux. Et on s'est Petits bien vitraux disputé d'église. sur la couleur, hein. On Ouais, s'est bien. il nous manque plus que la croix avec le panda crucifié dessus, Raptor Panda. Ouais. Mais enfin, quand ce sera fini, je ne sais pas si ça sera vraiment comme tu penses. Mais on va garder la surprise pour les pandas abonnés, Oui, la dont je ferai. surprise! Oui, nous voulons la surprise! Ouais. Allez, on se retrouve après, on continue. On se retrouve après, on refait une petite ellipse. Allez, Ninja Ellipse! Lance le truc, vas-y. Bon, rebonjour les pandas. Enfin, rebonjour les pandas. Nous voilà encore après une ellipse et puis une construction. Vous voyez que ça commence à prendre forme. L'église de Saint-Panda. Commence à sortir. Qui a dit que c'était une église? Pas moi. Moi, j'ai rien dit. C'est pas moi, chef. C'est pas moi. Voilà, vous voyez, c'est l'église de Saint-Panda. Je dis que c'est l'église de Saint-Panda, donc c'est l'église de Saint-Panda. Boing. Bon, ben on est reparti pour la suite, non? En plus, on a la place en dessous pour faire une orgie de panda. Une orgie de Non, ben elle va panda. servir la place en dessous, par contre. Donc ne rigole pas trop, elle va servir. C'est pas pour rien qu'on a fait trop de haut. Eh oui, Ah, ouais. comme ça on va faire. Venez, venez. Ah, venez, les fifi, venez. Venez les filles, oui, venez. En fait, Dans le sous-sol de si c'est une l'amour. église, c'est des petites filles qu'il faut pour les prêtres. Oh, comment on va se faire tellement lapider pour cette blague. Ben non. Enfin bref. On se retrouve J'ai pour la toujours suite dit. après plus tard. Allez, encore une ellipse. Bon, revoilà encore une ellipse pour vous montrer le travail accompli. Bon, ça prend forme, avec Seb qui essaye de faire une cascade, mais bon. C'est pas grave. Sinon, ça prend forme. Attends, Et à côté, Seb. vous voyez ma maison qui crame, là, c'est sympa, c'est cool. Mais bon, tout le monde s'en fout. Sinon, voilà le travail accompli. Et avec la petite. Comme je vous l'ai dit, la petite. Petit sous-sol. Oui, le sous-sol pour faire des choses. Seb, tu veux bien me laisser la place que je te montre un truc? Allez. Ouais, 2 secondes. Bon, on se revoit pour le prochain ellipse. À plus. Et nous revoilà. Pendant que le panda est allé manger, TRD a continué tout ça tout seul comme un grand. Et franchement, on peut dire qu'il a pas chômé. Merci à toi. Pour une fois que je ne tombe pas. Comme vous Oui, voyez, que ça a un petit je. peu, ça a un petit peu même grandement avancé. Ah oui, hein. La structure extérieure est presque faite. Puis on verra pour l'intérieur. Hein. Avec la petite fontaine là que vous voyez, elle est assez sympa.
Là, vous voyez TRD dans son costume de Boba Fett. Boba insecticide fait. Enfin. Eh oui. Bon, ben maintenant. Il y a toujours le vitrail, puis on va continuer. Donc, oui. Il n'y a pas le choix. Ouais. À bientôt pour une prochaine ellipse. Allez, on y retourne au boulot. Parce que. Fini. Enfin, presque fini, c'est un bien grand mot. Ouais. Que tu ne devrais pas utiliser à si mauvais escient. Il n'y a que moi qui sais dans mes plans, dans ma tête, petite tête à moi, où on en est. Et on en est à 35%, 40%. C'est déjà pas mal, hein, on a bien avancé comparé au 1% du début. Ouais. Bon, sinon, pour récapituler, voilà, c'est là, c'est l'entrée. Puis, on entre, il y a une petite fontaine, là, il y a encore l'entrée avec le... On va dire là, l'entrée avec les colonnes, puis là c'est la grande salle, comme ça tous les pandas seront ici, en train de prier. Oh, Raptor Panda, Raptor Panda. Là il y a les colonnes à la grecque. Et puis là normalement on devrait mettre là un panda crucifié, puis là avec. C'est pas ça qui est prévu, c'est une salle de torture pour les pandas. C'est pour accueillir tout le monde, et après en dessous il y a des trappes qui tombent et ils tombent dans la lave et ils meurent. Non, t'es vilain, t'es méchant. Non. Je suis démoniaque. Démoniaque, plein de pièges. Méchant. Tu vas voir. Ils brûleront tous dans les flammes de l'enfer. Enfin bon. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça commence à prendre forme, hein. Ouais. Heureusement, tu me diras, sinon, j'aurais pour pleurer, désespéré, avoir envie de se tirer une balle. Ou deux. Ça commence bien. Ouais, pam, ouais, c'est bon. Ça va pas bien. Voilà. Il commence, hein. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine ellipse. Donc voilà, c'est presque prêt, c'est prêt à 95%, on va dire. T'es optimiste. Ouais, je sais, je suis comme ça. Là, pour l'instant, on est à 50% de fini. Ouais. Allez, 55, pour être gentil. Voilà, il y a déjà le. Ouais, il y a déjà le vitrail. Sinon, ça, c'est un temple qui en jette. Ouais, mais je sais pas ce qu'il jette, mais il ne veut pas se le prendre. Des pierres. Ouais. Enfin, quand on voit ça, on se dit on est plus proche de la fin que du début. Tu te souviens encore des débuts, quand on était à 1%? Et j'aime bien depuis le début, ma maison est toujours en train de cramer, mais bon. Ouais. T'as pas appelé les pompiers? Ouais, non. Bon. Tu crois que si je fais pipi sur les flammes, ça va s'arrêter? Non, ça attise les flammes. C'est bien ce qui me semblait. Avec mon pouvoir de Dovahkiin. Ah, ouais. Un vitrail d'un côté, un autre de l'autre. Ici c'est les tours, l'autre ici c'est pas le monde. Eh oui. C'est chouette Minecraft, hein. Ça prend du temps pour faire tout ça. Hein. Tu recordes toujours ou pas? De quoi? Tu recordes toujours ou pas? Ouais. Ah bah alors, bonjour à tous les pandas abonnés. Regardez ce magnifique temple que l'on est en train de vous construire et qui sera votre tombe. Ce tombeau sera votre tombeau. Petit rire syndical. Bon,
Il reste à faire le rez-de-chaussée, le sous-sol et l'étage. Plus les tours. Ça va, hein? Courage. Merde, qu'est-ce que j'ai pris ça? Dommage qu'il n'y a pas un mode pour ajouter, tu sais, des petits spots là, pour faire genre boîte de nuit là. Ça, tu pourrais venir avec tous tes followers de Skyrim, faire des orgies. Oh, t'inquiète, j'en fais de genre. Ouais, dans Skyrim, mais pas dans Minecraft. Bah. Bon, si tu veux, je peux te rajouter une piscine avec sauna et tout à l'intérieur, hein. Non, c'est bon. Et des trucs au mur pour attacher les gonzesses, c'est... Non, vous n'avez rien entendu, je n'ai rien dit. Aucune référence à une certaine pratique. Non, nous ne sommes pas pervers, nous ne sommes pas lubriques, nous sommes des gens tout à fait normaux. Voilà. Voilà. Enfin, je parle pour moi, pour lui, je sais pas, mais... Non, moi, ils savent déjà. Oui, toi, ils sont déjà que t'es un gros pervers. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pervers dans toute ma vie. Là, il faut un début à tout. Sauf moi quand j'étais plus jeune. Allez, on va finir les murs. Ne pas se presser parce que si on fait à la va-vite, on va faire de la merde. Et ce serait con d'avoir fait tout ça pour après faire un truc totalement moche. Il est marqué, viens discuter avec nous sur TeamSpeak 3. J'explique les teams, t'as vu? Non, mais... Tu sais ce qu'on aurait bien fait là-dedans, tout ça? C'est un espace vert avec un gigantesque arbre à bambou pour les pods. Ouais, du pas ça. On remarque qu'il est content de le faire. Et voilà. Qu'est-ce que Bon, ben je on dis de fait une toi? ellipse, puisqu'il faut voir la suite. Bon, tu as montré l'intérieur? Je vais le faire, là je termine le toit, il reste plus qu'une rangée. D'accord. Ok. L'intérieur a bien avancé également. Où c'est qu'il est, le panda? Il est là, le panda. Voilà. Voilà. Par contre, les deux espèces de couilles là en carré, on les laisse. Ben oui, c'est des tours. Et en plus, il a effacé ma troisième tour. Qui c'est qui a les plans? C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Ben non, raté, c'est moi. Regarde, ils sont dans ma poche. Ouais, là vous voyez, ça commence à... C'est Avoir de la gueule. prestige, voilà, on va dire. Ça a de la gueule, ma chérie. Moi, je dis qu'on est de trop. Ah, j'ai plus bon. Bon, bien sûr, c'est pas encore tout à fait bien éclairé, hein, mais. Bah attends, je vais mettre quelques torches. Arrête avec tes torches, on va éclairer, t'en fais pas.
Quand ce sera fini, ce sera bien éclairé. Ça, il faudra montrer de jour comme de nuit, hein, si ils pourront se faire une idée. Et voilà. Bon, on va quand même leur dire que depuis combien de temps on est là-dessus et quelle heure il est. Je sais pas du tout moi-même combien de temps on a passé là-dessus. Pour l'instant, on est à peu près à 3h30, 4h, voire un peu plus de 4h peut-être. Et on n'a pas fini. Bon, voilà, il faut éclairer ce que ça donne. Hein. Ça promet, hein, pour tes potes d'abonnés. On va dire merci à l'architecte. Le temple, mes petits. Le temple. Le temple des anciens dieux. Demeure. Ben, des anciens dieux. Ouais, bon, sinon, on se retrouve à la prochaine ellipse quand tout est terminé. Allez, hop. Et voilà la vidéo finale. Vous voyez, il est beau, il est magnifique. C'est un espèce de temple-palais. Donc, on commence tout de suite. Là, on arrive dans l'entrée, comme je vous l'ai déjà montré. Hop, tout de suite. Voilà. On arrive là où il y a deux foyers pour le chauffage. Il y a trois escaliers. Il y en a un qui arrive directement vers mon trône. Oui, parce que c'est mon trône à moi. Avec le petit... C'est ce qu'il dit à chaque fois qu'il va aux toilettes. Ouais, voilà. Sauf que celui-là, je vais pas le faire. Là, avec le tapis rouge royal, avec les escaliers sur le côté, très 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 cool. Avec les escaliers sur le côté, avec les livres. Et non, je vous dirai pas ce que c'est comme livre. Vous avez qu'à le savoir. Le Dentai. Voilà. Voilà, c'est tout ça. C'est ça quoi, en fait. En fait, il y a tous les trucs de Bible Black, il y a tout ce que vous voulez. Il y a tous les hentai depuis le début des hentai jusqu'à maintenant. Ouais, voilà. Et puis sinon, sur le côté, il y a des espèces de... Enfin, il y a des tours. Il y a des escaliers pour des tours. Donc, il y a maçon. Voilà, donc on arrive dans ma partie préférée du donjon. C'est... Enfin non, ma deuxième partie, c'est le garde-manger. C'est le garde-manger. Bon, là, il y a encore rien, mais bon. C'est pas grave, sinon là vous voyez, on arrive. Hop, et là vous voyez, là on voit l'architecte. Voilà. C'est lui qui avait les plans dans sa tête. Ouais. Et donc sinon après, il y en a encore une autre. Alors, on saute, voilà. Et voilà. Ensuite là, c'est dans la deuxième tour. Enfin, c'est dans la deuxième tour, toujours en colimaçon. Et on arrive dans. Dans un espèce d'établi d'établi cuisine, enfin cuisine de garde qu'on va dire, vigile tour de garde, avec un jukebox, un établi, un grand coffre et deux fourneaux. Sinon ensuite on continue et en se téléportant avec ce serveur, parce que c'est un peu casse-couille, on revient dans la salle du trône. Là c'est les sièges pour les conseillers, pour les premiers ministres. Et là, vous vous demandez, mais c'est quoi cette barre là, toute droite? Et ben en fait, c'est pour qu'il y ait des filles qui viennent faire du pole dance, comme ça, youhou, en petite tenue, c'est trop cool. Ensuite, on descend. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que la pole dance, c'est aussi pour lui s'entraîner quand il n'y a personne. Ensuite, là, je vous ai déjà montré, mais que je le refais de A à Z. Là, il y a là c'est le nom du temple, c'est le temple panda, le Luxu, exactly. Et hop, on tombe sur le spa avec sur le spa
avec les lits pour se prélasser, pour pas pour bronzer parce qu'on est presque sous terre, ouais. Mais c'est pour se détendre avec sa femme ou avec sa copine, ou même avec plusieurs copines. Ou plusieurs femmes. Ouais, voilà. Et là, il y a la piscine. Ou comme je vous ai déjà dit, il y a le pédiluve, comme les piscines. Et ensuite, vous allez dans la piscine. Et voilà. Donc, au total, ce bâtiment nous a pris... Enfin, il y a aussi... Là, il y a le jukebox. Pour écouter en musique. 7 heures de travail. Au total, ce bâtiment nous a pris... 7 heures de travail. Voilà, 7 heures de travail. Putain, ce que c'était long. Mais bon, le résultat en vaut la peine. T'avais prévu d'avance, hein. Ouais. Mais bon. Donc, voilà. La prochaine fois que vous viendrez en vacances par là, mes petits pandas, n'oubliez pas de me faire une petite réservation, comme ça je mets les bureaux. S'il n'y a pas de place dans ton temple, il y a toujours le temple de Frost, hein. Il n'est pas terminé. Et donc, n'oubliez pas de me dire les réservations, hein, quand vous venez, que je mette des bureaux frais, des filles au frais aussi. Ah, c'est ça le frigo. Ouais, voilà. Et donc, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre un petit récapitulatif. Voilà, le temple, c'est le temple de devant. La tour, là, avec le magnifique drapeau panda qui flotte à la Winter is Coming. Ça, c'est le garde-manger. Le temple... Ah, putain, téléportation. Ça, c'est le temple, vu comme ça, il est beau. Après, on est dans une carte, donc il y a aussi d'autres trucs comme le bateau à côté. Mais sinon, il y a le... Putain de bordel. Ouais. Donc, on voit ici le magnifique temple. Avec notre ami Terdek ici. Qui fait coucou. Ouais. Et qui fait coucou, parce que... Donc... Voilà. Qui fait coucou parce qu'on va se laisser ici avec lui, mes petits pandas monnaies. Après cette heure de travail, ouais. Une bonne vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et si vous voulez en voir d'autres, il y a ma chaîne avec mon royaume. Ouais, voilà. Il y a sa chaîne avec son royaume que je vais bientôt conquérir pour la gloire de Pandaria. Ouais, bah, mon fils a essayé, c'est pris une balle. Ah, bah voilà, ça règle la question. La succession est faite. Pour ceux qui veulent savoir, c'est dans l'épisode 6. Voilà. Bon, sur ce, mes petits pandas abonnés, je vous laisse ici. Merci de regarder cette vidéo. Merci à toi, DRD, de nous avoir assisté. Et merci à toi, Seb, du 43-210 qui nous a aidé durant une partie. Merci à toi aussi. Et non, on t'a pas oublié. Ouais, donc, merci à toi. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vive les pandas. Allez, bisous Frost et à bientôt.